Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, vous l'avez, votre vidéo sur la manipulation du TEF. Vous allez pouvoir prendre une heure, au moins 1h45, je crois. J'ai pas fait le montage final, mais ça va durer au moins 1h45. Pour décortiquer tout ça, je viens de, juste avant de faire le montage final, justement, faire cette petite vidéo, une sorte de pré-introduction pour évoquer deux points. Le premier point, c'est que vous, qui êtes derrière votre écran, peut-être que vous allez voir cette vidéo-là quelques jours, quelques semaines, après sa sortie, mais vous allez peut-être aussi la voir 6 mois, 1 an ou 2 ans après. Et je pense que dans 2 ans, quand vous allez analyser, parce que je sais que vous allez analyser tout ce que j'ai fait en détail, vous verrez que ça a potentiellement plus rien à voir. Alors ce n'est pas anormal, c'est juste que je vais probablement ne pas renouveler certains domaines. Je vais peut-être continuer à faire des tests. Donc le site, ou en tout cas les domaines que vous verrez dans ce cas pratique, c'est possible, c'est possible qu'il y ait du changement. La seule chose que je pourrais vous demander, c'est finalement de ne pas faire de lien vers tout ça pour ne pas fausser si je refais des tests. Et si je refais des tests, de toute façon, je referai des vidéos. Le second point, c'est que j'ai fait un tweet quand j'ai fini de tourner tout ça, qui a été repris et qui a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, je vous remercie par rapport à ça. Et Régis Stéphane de Next Level répondait à quelqu'un qui demandait comment manipuler le TF, et il lui a répondu: il faut demander à Jérôme Pasquelin, c'est lui l'escroc. Donc je prends ça très bien, il n'y a aucun souci, hein, c'est de l'humour, on se connaît, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit avec du recul, peut-être que mes clients actuels qui m'achètent du lien ou des prospects peuvent se demander si je suis un escroc ou pas. Et ça me paraissait quand même utile de faire cette petite vidéo-là pour dire qu'il n'y a aucun souci, je ne suis pas... Je ne suis pas dans le black hat, je ne suis pas dans l'ultra-manipulation, etc. Je bichonne mes sites, je les bichonne vraiment auprès de Google. Je précise auprès de Google, regardez, si vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, regardez au moins la conclusion, les 5-10 dernières minutes. Mais il n'y a aucun souci par rapport à mes sites. Je ne vais pas vous mentir, je suis manipulateur parce que je fais du netlinking. Et à partir du moment où on est SEO et qu'on touche au lien, on est manipulateur, mais ce n'est pas... C'est pas ma manière de fonctionner. Voilà, c'était pour vous rassurer et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure dans les commentaires. Allez, ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de manipulation de TF. Vous pouvez aller chercher le mojito là, sans alcool bien sûr, des gâteaux apéro parce qu'on va être ensemble pendant un moment. Alors le TF, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Majestic, c'est le Trust Flow, c'est un indicateur qu'on utilise en SEO, en édition de site, etc. Qui, grosso modo, est un indicateur de qualité des liens. Voilà. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, parce que c'est un indicateur qui est souvent utilisé. J'ai fait une conférence aussi au dernier House of Business où je parle de Trustflow. Vous pouvez aller la voir si vous êtes vraiment débutant. Comme ça, vous aurez peut-être plus de base avant d'attaquer cette vidéo sur la manipulation. Je vous mets le lien sous la vidéo. Comme ça, en un clic, vous pourrez y arriver. Alors, disclaimer sur ce cas pratique. Pour des questions d'éthique, au début, je m'étais questionné sur le fait de la rendre publique ou non, cette vidéo. Deux points qui ont fait que je la rends publique. D'une part, je l'ai fait un petit peu sous le format R&D, c'est-à-dire je ne vous donne pas un process, une méthodologie précise. On va faire des tests, on va voir comment ça réagit. Ne vous inquiétez pas, il y aura du lourd, hein, on va arriver à quelque chose de super sympa à la fin. Mais voilà, c'est sous format R&D. Manipuler, c'est mal. Par défaut, la manipulation, voilà, il n'y a rien de positif là-dedans. Donc, je me devais de vous le dire, voilà, pour des questions de conscience. Donc, je vous fais voir comment manipuler, mais utilisez-le, on va dire, intelligemment. N'en abusez pas, voilà, au moins. Majestic SEO, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Le TF, je l'utilise. Le TF, c'est un très bon indicateur. C'est juste un mauvais indicateur quand il est utilisé de manière totalement isolée, comme tous les indicateurs, ou la plupart des indicateurs. Mais en tout cas, ça permet de voir quand même pas mal de choses. Et cette vidéo, elle n'est pas du tout à charge contre Majestic. Voilà, c'était l'idée que je voulais faire passer. Alors, je me suis fixé des objectifs quand j'ai commencé ce case study. 150 € hors taxe de budget max. C'est-à-dire que je voulais que ce cas pratique, là, cet exemple, il soit reproductible par n'importe qui. Donc je me suis fixé à peu près 150 € de budget.
Je me suis fixé d'arriver sur un TF route supérieur ou égal à 30. Alors là, je parle beaucoup de TF, mais vous allez voir, en fait, tout ce que je fais, ça manipule aussi le CF. Donc le TF, c'est plutôt la partie qualité des liens. Le CF, c'est plutôt la partie, enfin, c'est plutôt l'indicateur qui indique la puissance. Voilà, donc TF route d'au moins 30. 30, ça commence à être pas mal. C'est pas fou, mais on commence à être sur un domaine qui est relativement costaud, en tout cas au niveau du TF, quand on arrive à 30. Et 45 sur la page d'accueil. Donc 45, là, on commence à avoir un TF qui est quand même assez élevé. Je suis parti d'un domaine vierge. Pourquoi je suis parti d'un domaine vierge? Parce que je suis parti du principe que c'était plus dur de manipuler le TF en partant de zéro. Voilà, c'est-à-dire 0 TF, 0 CF, 0 RD, que de partir d'un domaine expiré, dans la plupart des cas. Alors je dis dans la plupart des cas parce que voilà, si vous avez un domaine expiré qui a déjà une cinquantaine de referring domaines, qui a déjà 10 ou 15 de TF sur le route, qui a, je sais pas, 20-25 sur la page d'accueil, ça va être facile en fait de l'augmenter. Par contre, c'est sûr que si vous partez avec un domaine qui a 500 referring domaines, qui a 5 de TF sur le route et 10 sur la page d'accueil, là, ça va être plus compliqué. Mais là, on est dans un cas à part. Donc, d'une manière générale, pour moi, c'était un petit peu plus difficile de repartir d'un domaine vierge. Et en tout cas, c'était plus, par rapport à la R&D, c'était plus simple vraiment de mesurer, en tout cas, les premières actions, de voir ce que ça faisait exactement. Alors, certains me diront, oui, c'est plus dur de partir d'un domaine expiré, mais il y a quand même d'un domaine vierge, pardon. Mais quand on part d'un domaine vierge, il y a quand même cette histoire de manipulation du TF qui est très très simple au début quand on n'a pas beaucoup de referring domaine. Et c'est pour ça que si vous lisez la ligne qui est juste en dessous, mon objectif c'était de monter à une centaine de referring domaines détectés par Majestic. Voilà. Et quand on commence à avoir une centaine de referring domain, le TF, il est beaucoup moins facilement manipulable. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un truc, pas bullshit, hein, mais vraiment quelque chose qui est reproductible, avec pas trop de budget, et qui a un minimum de difficultés pour y arriver. Avoir un TF qui est stable dans le temps, à quoi je pense quand je dis ça? Bah, typiquement, on peut faire une campagne d'annuaire, par exemple. Campagne d'annuaire, on va se retrouver avec... vous savez, souvent, sur les annuaires, il y a les 10 derniers sites inscrits. Du coup, si on est sur la page d'accueil d'un annuaire, la page d'accueil, elle est généralement très puissante, on va temporairement pouvoir manipuler le TF, mais ça va être très temporaire. Voilà, il y a d'autres trucs comme ça, mais je pensais principalement à ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un TF qui est stable dans le temps. Avoir un profil d'encre qui paraît naturel. Donc bien sûr, paraît entre guillemets. On va voir après hein, dans le cas pratique, mais l'idée c'était, je sais pas que ce site-là est manipulé, je vais voir le profil d'encre et ça me paraît plus ou moins naturel. Et un TTF pas trop exotique, donc l'idée là derrière tout ça, c'était, il y a des TTF qui sont très faciles à voir parce qu'il y a beaucoup d'expirés sur ce TTF-là, il y a des TTF qui sont très spammé, donc c'est Topical Trust Flow, le TTF, c'est la thématique en fait du profil de lien. Il y a des TTF, voilà, typiquement tout ce qui est régional Asia, souvent c'est des sites qui sont spammés par les pays asiatiques. Voilà, l'idée c'était d'avoir un TTF qui soit pas facile, mais quelque chose que j'ai plus ou moins choisi, en tout cas plus ou moins cadré. Au niveau du contexte, je vous l'ai dit, je pars d'un domaine neuf. J'ai choisi de ne pas acheter de lien pour manipuler les métriques, le TF ou le CF. Une des techniques, ça va être, en tout cas une des techniques rapides, il faut sortir la carte bleue, mais c'est très rapide, ça va être d'acheter des liens homepage par exemple, ou des liens site-wide. Il y a plein de plateformes qui proposent ça. Mais de manière publique, je ne voulais pas impliquer des éditeurs, des webmasters, et éventuellement leur faire courir des risques, parce que je rappelle quand même que la vente de liens, c'est interdit par Google. Voilà. Pas d'échange de liens non plus, pour exactement les mêmes raisons.
Donc, je voulais pas faire courir de risque à des, par exemple, des potes ou des connaissances avec qui j'aurais pu faire des échanges de liens. Mais en tout cas, là, je vous donne des pistes, hein, supplémentaires si vous voulez faire de la manipulation de TF ou de CF. Et bien sûr, j'utilise pas mon réseau perso. Alors pourquoi? Bah parce que autrement, c'est facile. Il n'y a pas vraiment de. La raison d'être de cette vidéo, elle n'est pas là parce qu'elle ne sera pas reproductible par toutes les personnes qui n'ont pas de réseau perso, de PBN, etc. Voilà. Alors, pourquoi vouloir augmenter son TF? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Bah, quand vous faites de l'édition de site et vous faites particulièrement de la vente d'articles sponsorisés, le TF, c'est un indicateur qui est beaucoup pris en compte par les annonceurs, c'est-à-dire les acheteurs. Et cet indicateur-là, plus il est élevé sur notre site, et généralement, plus on va pouvoir vendre d'articles sponsorisés. Plus il est élevé sur notre site, et généralement, plus on va pouvoir vendre les articles sponsorisés chers. Voilà vraiment la raison la raison d'être de cette manipulation de TF, parce qu'il y a beaucoup de membres de ma formation qui me l'ont demandé. Justement, je voulais pas le faire au début, mais je me dis aussi par rapport à tout ça que quand les gens ont compris que le TF c'est facilement manipulable, et ben peut-être qu'il sera moins pris en compte. On regardera peut-être d'autres choses, peut-être un petit peu plus le trafic, peut-être un petit peu plus d'autres métriques, voilà, qui sont intéressantes. Typiquement, voilà, le nombre de mots-clés positionnés, le type de mots-clés positionnés. Est-ce que c'est des mots-clés qui sont dans ma thématique ou pas? Bref. Il y a plein de choses à regarder en fait quand on veut acheter du lien, par exemple, quand on veut faire de l'échange, autre que le TFA. Je suis persuadé en tout cas qu'il y aura un avant et un après cette vidéo parce que vous allez voir à quel point c'est manipulable. Et ce qui est aussi hallucinant, c'est que bon, le TF, c'est censé refléter la qualité des liens. Le CF, c'est censé refléter la puissance. Voilà. Quand on achète un BL, bon, normalement, ce qu'on veut récupérer, c'est du jus. Alors, du jus de qualité, oui, mais du jus. Voilà. Et le CF, c'est l'équivalent du PageRank. PageRank historique. Et ce qui est hallucinant, en fait, parce que je fais des tests, moi, depuis des mois. D'ailleurs, ce test-là, en fait, il a commencé il y a à peu près 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que j'ai essayé de loguer, d'enregistrer chaque action. Enfin, en tout cas, cette action-là, elle a eu tel effet. Cette action-là, elle a eu tel effet. Comme ça, par rapport à de la R&D, en fait, on couvre un petit peu, genre, je fais ça, il y a telle conséquence. Mais ce qui est hallucinant, en fait, c'est que le CF, qui finalement, pour moi, devrait être aussi vraiment regardé, il est plus difficilement manipulable. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde l'indicateur qui est censé refléter la qualité des liens, voilà, pas la puissance, mais la qualité des liens, mais c'est celui qui est le plus manipulable. Voilà, donc je voulais vous faire prendre conscience de ça avant de commencer. Et puis je vous propose de commencer le premier test. Alors, donc j'ai désactivé le plein écran, on va passer comme ça je vais pouvoir naviguer d'un onglet à l'autre. Donc, première étape. Donc là, ça fait à peu près 3 mois que le site il a été mis en ligne. Donc je suis parti sur un site neuf que j'ai acheté le 21 août 2021. Donc là on est le 24 novembre. Donc ça fait grosso modo ça fait pile poil 3 mois, à quelques jours près. Donc je l'ai pris chez LW, enfin je l'ai hébergé chez LWS parce qu'il y avait un hébergement gratuit. Et j'ai acheté ça 2,99 € chez Internet BS. Alors, le site c'est celui-là. Donc je pense que là, vous allez vous ruer sur l'URL pour voir un petit peu. Tout ce qu'il y a derrière, donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc le site c'est TubeBluffMartoni. Alors c'est une petit clin d'œil à tous ceux qui aiment bien la cité de la peur, comme moi. Voilà, donc vous verrez, hein, j'ai fait pas mal de choses. C'est assez brut de fonderie, mais finalement, en fait, on s'en fiche parce que là, on va pas parler de manipulation pour Google, on parle de manipulation vraiment de Matrix Majestic. Alors, on en est où aujourd'hui? Donc le TubeBluffMartoni là sur l'URL, donc c'est une monopage, hein, il n'y a qu'une seule URL, on est à 52 TF. Donc 52 TF, c'est quand même pas mal sur la page d'accueil. TTF numéro 1, Society Government, on est pas mal. Business, Home, Business, le TTF est pas mal. Voilà, c'est en tout cas moi je vois ça, c'est assez rassurant.
Citation Flow, 39 sur la page d'accueil. Donc, on est pas mal non plus. Alors, voilà, ça, c'était la première étape de la vidéo. Donc là, je vous avais fait un screenshot quand même de Majestic à l'époque pour bien vous faire voir que le domaine, voilà, il repartait de zéro, c'est-à-dire qu'il n'était même pas... il n'était même pas encore pris en compte dans Majestic SEO. Alors, l'étape 2 de mon case study, qui est l'étape 1 de la manipulation, en réel, alors ça va être l'achat de imprimerieledoux.fr chez Kifdom. Donc, je l'ai acheté en achat immédiat à 35€. Et j'ai commencé par lui faire une 301. Donc, 301 de imprimerieledoux.fr vers ma page d'accueil de Tubeuf Martoni, donc là, c'est-à-dire la seule page de ce site, puisque c'est, je vous rappelle, une monopage. Pourquoi j'ai acheté imprimerieledoux.fr ? Qu'est-ce qu'on voit sur le root, c'est-à-dire quand on analyse le root domaine, on voit qu'il a 21 TF. Alors 21 TF, c'est pas fou, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ultra élevé. En revanche, il a un TTF business. Et là, TTF business, ça m'intéresse plus. Comme je vous ai dit au début, je me suis mis une contrainte de dire je veux pas un TTF qui est exotique ou un TTF de site qui est spammé. TTF business, enfin, toute la thématique business, B2B, c'est quelque chose qui est assez recherché en vente de liens. Et du coup, ça m'intéressait. Donc ça fait pencher la balance en positif. TTF de 21, pas mal, mais c'est pas fou. En revanche, quand j'ai analysé la page d'accueil de ce domaine-là, j'ai un TF de 33 sur sa page d'accueil. Et ça, pour le coup, le TF de 33, ça m'intéresse plus, et c'est ce qui a fait que, voilà, que je l'ai acheté chez Kifdom. TF de 33, on s'était donné un objectif de 45, je crois, sur la page d'accueil, on n'est pas loin de 45. C'est, voilà, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir des TF qui ne sont pas trop loin de l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour voir que sa page d'accueil avait 33? L'astuce, en fait, elle est là. J'ai déjà donné au Soft Business, mais je vais vous la redonner aujourd'hui pour que la vidéo elle, soit vraiment complète. La plupart des plateformes, des outils, vous donnent le TF sur le root. Alors ça, c'est très bien, mais le TF sur le root, en fait, c'est une sorte de synthèse de toutes les URL, de tous les sous-domaines, etc. Une sorte d'agrégat. Alors, c'est pondéré, hein, c'est pas une moyenne, c'est pas une somme. C'est un algo interne chez eux qui détermine cette note-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, pour manipuler le TF, ça va être d'avoir un lien ou de faire une 301 depuis des URL qui sont puissantes. Voilà. Et quelle URL est la plus puissante, généralement, sur un site? C'est la page d'accueil. Et c'est la page d'accueil parce que c'est la page qui reçoit le plus de BL. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Et en fait, l'astuce, donc, ça va être d'analyser les différentes pages d'accueil possibles de chaque domaine. Au lieu d'analyser le root, on va analyser les 4 pages d'accueil principales. Donc, c'est la version HTTP avec et sans 3W et la version HTTPS avec et sans 3W. Et je vais vous faire voir dans 2 minutes, hein, je ne vais pas vous faire languir trop longtemps, comment on peut le faire super rapidement pour, sur une liste, voilà, vous avez une liste de domaines expirés ou qui vont expirer, pour faire ressortir très facilement ceux qui ont une page d'accueil avec un TF qui est ultra élevé. Alors, je vous fais voir rapidement avant... Non, c'est pas du tout ça. Donc, j'avais fait des screenshots de quasiment tous les domaines expirés que j'ai achetés au moment où j'ai mis en place les 301, les BL, etc., pour avoir une sorte de snapshot de tout ça, un historique. Donc, voilà, Imprimerie Ledoux, on voit qu'il avait 21 TF sur le route et qu'il avait 33 de TF sur sa page d'accueil. Aujourd'hui, donc un peu plus de 3 mois après, on a 20 sur le route et 31 sur la page d'accueil. Donc, on voit qu'il a un petit peu perdu, mais globalement, il a gardé ses liens. Alors, cas pratique, enfin exemple pratique, je suis chez Kifdom, achat immédiat, j'ai classé les domaines par TF décroissant, je vais en prendre, je sais pas, je vais en prendre une dizaine comme ça, je copie, donc là je copie vraiment à l'arrache. Vous avez la possibilité, hein, la plupart du temps, de télécharger les listes, donc vous ouvrez sous Excel et après vous récupérez juste les domaines. Moi je le fais comme ça parce que avec SEO Observer,
Ils ont super bien fait les choses. Et du coup, quand on sélectionne domaine, en fait, peu importe si on lui rentre à boire et à manger, il va réussir à retrouver juste les domaines. Et en plus, il va nous afficher des infos là-dessus. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis là? Déjà, si je cherche un TTF en particulier, je vais classer par thématique. Et je vais pouvoir avoir le TTF sur le route de manière très, très simple. Et typiquement, voilà, si je recherche du business pour un site business, eh ben, je vois que j'en ai deux qui sont éligibles là. Voilà, pour un TF sur le route. Alors attention, des fois, le TF sur le route, il est business. Sur la page d'accueil, il est un petit peu différent. Donc il faudra quand même, ne vous faites pas voir, ça arrive de temps en temps qu'il y ait cet écart-là. Sauf que là, voilà, c'est le route, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tous les routes domaines là, donc, que j'ai extraits. Je vais aller sur Patator SEO. Donc, patator-seo.com, c'est pareil, je vous mettrai en dessous le lien. Outil bridé, URL chain processing. Donc, l'outil est bridé. Il est débridé pour les membres de la formation. Mais vous pouvez quand même analyser, vous pouvez faire du traitement quand même sur 3000 lignes. Là. Donc, vous pouvez mettre 3000 domaines, ce qui fait quand même déjà pas mal. Donc là, j'ai mis mes domaines. Ce qui va m'intéresser, là, ça va être de récupérer les 4 déclinaisons de pages d'accueil à chaque fois. Donc c'est très simple. Je vais cliquer ici, j'applique, et en fait, on va voir que l'outil, pour chaque domaine, voilà, il m'a généré donc une URL en HTTP sans les 3W, une URL en HTTP sans les 3W, et la même chose avec les 3W. Voilà. Donc je vais faire un contrôle A. CTRL-C, enfin, copier-coller, hein, peu importe, parce que si vous êtes sous Mac, c'est pas la même chose. Je colle ici, et je vais, pour le coup là, je vais sélectionner URL. Alors ça, c'est si vous avez SEO Observer. Vous pouvez quasiment, enfin vous pouvez tout faire avec SEO Observer, hein, grosso modo, au niveau des expirés et des fonctionnalités bulk, c'est assez hallucinant. Donc ici, voilà, on a le résultat de tout ça. Donc on voit qu'il y a des pages d'accueil qui ont zéro TF, donc c'est normal, c'est peut-être des pages d'accueil qui n'ont jamais existé, elles ont toujours été déjà traitées, c'est-à-dire redirigées en 301 vers la bonne page d'accueil, et dans ces cas-là, la plupart du temps, du coup, il n'y a jamais personne qui fait un BL sur ce genre de page-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même voilà, qu'il y a des domaines qui sont intéressants. On a perpignanfrance.fr qui a 31 TF, celui-là qui a 31 TF aussi sur sa page d'accueil, celui-là aussi, etc., etc. Et on voit que, voilà, typiquement, là, on a un TTF business qui peut être intéressant. Donc, vous pouvez utiliser Profiler de domaine de SEO Observer. Sinon, si vous n'avez pas le budget pour ça, vous pouvez utiliser Majestic SEO. Donc, c'est plus limité parce qu'il y a juste la partie BL. Je parle des fonctionnalités de manière générale, hein, pas pour la manipulation de TF, hein, pas pour ce qu'on va voir aujourd'hui, mais vous avez le Bulk Backlink Checker, c'est à peu près le même principe, vous soumettez les URL là, et vous allez pouvoir avoir la même chose. C'est-à-dire que, hop, je vais pouvoir classer par TF décroissant, alors on peut classer aussi par CF décroissant. Et typiquement, là voilà, on peut trouver parfois des domaines qui ont 0 TF, donc 0 TF, alors... Soit c'est des domaines, c'est des BL qui sont très spammy, soit c'est des BL en nofollow. Voilà, ce qui peut expliquer ça. Donc 0 TF, c'est pas top, mais il y a quand même 28 de CF. Voilà. Bon, toujours est-il que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le TF. Donc là, on voit les pages d'accueil, on voit le TF, et ici, vous avez le TTF principal. Voilà. Topical Trust Flow. Principal, le premier. En fait, la plupart du temps, il y en a plusieurs. Il y en a un qui domine les autres. Enfin, voilà, vous en avez un, après il y a le deuxième, le troisième, etc. Donc là, le premier, avec les petites vignettes, là, si vous faites ça régulièrement, vous allez savoir que ça, c'est de l'art, que ça, c'est du business, que ça, c'est récréation. Mais en tout cas, vous avez la même chose ici. C'est-à-dire que, voilà, il vous détaille les différents TTF. Et en fait, ces pages d'accueil-là, la plupart voilà, ont un seul TTF, ce qui est relativement logique. Hein. Souvent, on a plusieurs TTF sur le route ou sur les subdomaines, mais la page d'accueil, souvent, on en a un, deux ou trois, mais ça ne va jamais chercher bien loin. Donc, ces deux-là, ils ont AR, uniquement AR. Et celui-là, il en a deux. Il a
le principal, vous voyez, c'est cette couleur-là, ça représente AS1, c'est le numéro qui est le plus élevé, donc business, et le second qui est computers. Lui, son principal, c'est le bleu, c'est le 30, voilà, et ensuite, il a du business. Voilà. Donc ça, ça peut être intéressant si vous voulez manipuler aussi le deuxième TTF, le deuxième TTF le plus important, et voir le troisième. Ça peut être intéressant de regarder ça aussi. Mais il n'y a pas besoin d'aller vraiment aussi loin. Ce qui est vraiment important, c'est le TTF principal. Alors, j'en ai ouvert deux. Je le fais un peu en live, hein, en même temps que vous. Perpignan France. Donc, on voit qu'il a 31 de TF, ce qui est, quand même, ça commence à être intéressant, surtout si c'est un domaine expiré qu'on n'achète pas cher. Hein. Parce qu'on va voir qu'on va pouvoir acheter des domaines expirés à 5-10 euros, entre 5 et 10 euros. Là, ce sera peut-être un petit peu plus cher. Mais il a combien Perpignan? Voilà, il a 24 euros, c'est pas la folie non plus. Donc 31 TTF, c'est pas mal. Si je recherche ce genre de TTF-là, si j'ai un site dans le voyage, par exemple, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je vais regarder, moi, pour savoir si j'achète ou pas. Bon, le CF, on ne va pas trop en parler, mais quand même, si vous avez 31 de TF et 5 de CF, c'est pas top. L'idéal, c'est quand même d'avoir un TF et un CF qui sont pas trop éloignés. Bon, là, on voit que c'est un peu éloigné, mais ça passe encore. Mais sinon, vous allez quand même potentiellement... pas travailler pour l'amélioration de votre CF si vous achetez des domaines avec un TF élevé et un CF très très bas. Donc là, ça va. Le TTF, il peut m'intéresser. Ensuite, ce que j'aime bien regarder, déjà, c'est si j'ai des deleted ici. C'est-à-dire des BL qui ont disparu. Donc là, j'en ai pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un BL disparaît, même si Majestic l'a vu, en fait, le TF et le CF, ça ne disparaît pas tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas mis à jour en temps réel. Donc, il y a un delta, c'est-à-dire il y a un délai entre le moment où le BL disparaît et le moment où le TF et le CF sont réajustés. Donc, première étape, de regarder s'il y a du deleted. Alors, attention, hein, si vous avez l'habitude d'analyser des expirés ou des sites avec une approche plus SEO, on n'est pas du tout dans le même truc. Là. C'est-à-dire que là, je m'en fiche totalement de vérifier si les BL ils sont indexés. Enfin, si, voilà, le but, c'est pas que celui-là il reparte, hein, c'est pas que Perpignan France il reparte, c'est juste que ça transmette, c'est que ça transmette du TF. Donc il faut avoir une autre approche. Donc j'ai pas de deleted, c'est plutôt pas mal. En revanche, j'ai 31 de TF. Moi, ce qui m'embête sur celui-là, c'est que j'ai pas vraiment de BL avec un TF très élevé. C'est-à-dire que là j'ai 7. Ça, théoriquement, c'est le BL le plus puissant. Là, je suis à 7, c'est pas fou. 11, 17, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, c'est vraiment pas fou, quoi. C'est ça qui m'embête, qui m'embêterait en tout cas sur ce domaine-là. Alors après, pour 23 euros, on perd pas trop de, il n'y a pas trop de risques. Hein. Mais j'ai pas de BL qui est élevé. Le plus gros BL, c'est une page d'accueil. Alors les pages d'accueil, la plupart du temps, c'est quoi? C'est de la location de liens, c'est de l'échange de liens, c'est du partenariat. Donc ça, c'est potentiellement un BL qui pourrait peut-être rapidement, sur du court terme, disparaître. Il faut faire attention avec les pages d'accueil, mais on verra d'autres exemples plus tard, parce que ce sera, je vous ferai voir d'autres exemples, je vous en trouverai. Des fois, c'est très très marqué, le nombre de BL sur la page d'accueil. Donc, ce domaine-là, alors, ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas de BL à gros TF. C'est même étrange qu'il ait autant de TF. Ce qu'il faut savoir, j'ai eu le support hein, de Majestic plusieurs fois. Pour une problématique assez particulière, c'est que sans perte de BL, des fois, j'ai eu quand j'ai remonté les sites, j'ai eu des grosses pertes de TF et de CF. Alors la réponse du support, qui était très transparente, d'ailleurs je les remercie hein, parce qu'ils sont super au support Majestic, c'est que, en fait, moi ce que j'ai constaté, c'est que quand un domaine est expiré, c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé depuis longtemps, ou certaines pages parking, eh ben, c'est comme figé chez Majestic, c'est-à-dire que bah, déjà il y a moins de crawl, et il y a des metrics qui sont figées. Voilà. Et en fait, quand on remonte le site,
parfois, donc c'est loin d'arriver, c'est loin d'être systématique, mais parfois, les métriques, c'est comme si elles étaient rafraîchies et ça change. Du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes métriques. Et là, typiquement, moi, j'ai un domaine, on verra après, j'avais perdu du TF, c'est revenu un peu. Et j'en ai d'autres, là, hors cas que je suis en train de vous présenter, où vraiment j'ai eu des grosses pertes. Et c'est incompréhensible parce que chez Majestic, il n'y a pas eu de perte de BL. J'ai pas eu de BL qui pointaient vers le site, qui ont eu des grosses chutes, voilà, de TF, parce que ça peut l'expliquer aussi. Hein. Si lui, là, Wiki Voyage, là, il perd beaucoup de TF, eh ben, il va nous en envoyer moins. Et forcément, on en aura moins. Mais j'ai pas eu tout ça. Mais en tout cas, la réponse de Majestic, ça a été que voilà, quand les sites sont remontés, finalement, il y a une sorte de refresh qui est fait. C'est réajusté et parfois, ça peut baisser. Donc celui-là, voilà, page d'accueil, ça peut disparaître. Celui-là, c'est du nofollow. Normalement, ça transmet pas ou très très peu de TF, mais je crois que c'est pas du tout. Mister Location, donc ça, c'est une page profonde. OK, pourquoi pas. Commerce, page profonde. Ouais, c'est pas fou. Celui-là, il est pas fou. À 10 euros, je l'aurais acheté. À 23 euros, je me pose un peu plus la question. Restauranttournesol.fr. 31, donc c'est pas mal. C'est du business, donc ça, c'est cool. Alors, on voit business, computers. Généralement, quand il y a ça, souvent, là, ça, c'est du TTF de d'Annuaire SEO. Alors, quand on n'est pas sur un site qui est lié à l'informatique, hein, bien sûr, mais souvent c'est ça. Donc, business, ça m'intéresse. 31, ok. Si je regarde en détail, les backlinks qui pointent vers cette URL-là, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois déjà que j'ai trois deleted. Voilà, j'ai trois deleted sur les quatre plus gros BL. Donc, ça veut dire que mécaniquement, dans quelques temps, déjà, le TF il va descendre. Voilà. Ensuite, loisirs, tourisme, ça c'est une page profonde, ok, pourquoi pas, 24 de TF, celui-là il est sympa, voilà, ce bel-là il est pas mal avec 24 de TF, celui-là on voit qu'il a disparu, celui-là bah, c'est la même chose sauf que c'est une page profonde, il a disparu aussi, donc ça c'est pareil, en fait c'était le même domaine, et ensuite on est sur du 4 4 0 0 0 0 0 0 0. En fait, grosso modo, celui-là, si on l'achète, c'est pareil, il faut se dire qu'on l'achète pour un BL, parce que les trois autres là, sur les quatre premiers, ils sont en deleted, et celui-là il a 24 et tout le reste c'est du voilà 9 4 4, et après ça passe à 0. Donc mon TF là qui est de 31 sur cette URL là, il peut vite chuter. Voilà, il peut vite descendre à 25, 20 ou 15 dans les semaines qui viennent. Voilà, donc ça, il va y avoir un travail d'analyse qui va être important. C'est pas tout, c'est pas le tout de dire j'ai trouvé une page d'accueil qui a un gros TF. Alors après, si vous le payez 7,50€ parce que c'est un domaine qui est expiré, vous avez trouvé sur expiré de domaine, oui, pourquoi pas. Mais après, voilà, si vous visez un petit peu plus le moyen ou le long terme, c'est dommage d'acheter ce genre de domaine-là. Alors, ça, c'était pour la partie, entre guillemets, l'astuce pour trouver des URL, finalement, des pages d'accueil qui ont des TF qui sont assez élevés et qui vont pouvoir nous transmettre un max de TF. Donc, qu'est-ce que ça a fait, moi, ma 301 d'imprimerie Le Doux vers Tubeluf Martoni. Alors, 6 jours après... Sur le route, donc j'étais à 0, hein. J'étais à 0 TF, 0 CF et 0 RD hein, sur Tubeluf Martoni, puisque c'est un domaine qui n'était pas connu chez Majestic. Donc 6 jours après, je suis passé à 25 de TF, 12 de CF, et à 41 de TF sur la page d'accueil, et 30 de CF sur la page d'accueil. Donc là, déjà, on voit que juste avec une 301, on a réussi à manipuler énormément le TF sur la page d'accueil, hein, principalement, parce qu'arriver à 41 avec une seule 301, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors là, pourquoi ça a fait ça? Parce que le domaine, il avait 0 BL. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début, quand on part d'un domaine qui est vierge, au début, c'est très très simple de manipuler. Donc là, cette 301, là, elle a permis de récupérer beaucoup de TF
sur la page d'accueil et d'une manière générale sur le route. Alors, si vous souhaitez du code pour faire des redirections 301, je vous le mettrai en dessous. J'ai fait un article sur jeromeweb.net. Vous tapez jeromeweb 301, jeromeweb plus loin 301 sur Google, vous allez tomber dessus. Et je vous ai listé en fait tous les codes que vous pouvez mettre dans le HT Access que j'utilise pour faire entre autres des redirections 301, dont des redirections de domaine à domaine comme j'ai fait là. Voilà. Donc ça, c'était l'étape 2. Troisième étape de la manipulation, donc achat de ce nom de domaine qui est imprononçable chez Internet BS. Alors à chaque fois, je vous précise Internet BS, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Vous le mettez chez le registrar que vous voulez. L'idéal, peut-être, c'est d'avoir un WIS privé si vous achetez du domaine juste pour de la manipulation. Internet BS, il est très, très utilisé par beaucoup de SEO. Il n'est pas en France. WIS privé gratuit. Vous pouvez même faire des 301, je crois, automatiquement. Sans rattacher le domaine à un hébergement, bref. Il y a plein de choses qui sont sympas chez Internet BS. Donc je l'ai trouvé sur expiredomaine.net pour un coût de 12,99€. Alors le site, c'est celui-là. J'ai fait simple, hein, c'est vraiment pas joli, mais c'est pas grave, c'est pas le but. J'ai cloné le site, enfin la monopage Tubeluf Martoni. J'ai changé quelques trucs pour la forme, pour qu'on soit sûr. Patrick Humphrey, Tiburce, Vieles, toujours cité de la peur hein, pour ceux qui connaissent. Pourquoi je vous dis ça en fait, c'est juste, je voudrais vous préciser que le fait que j'ai mis tout ça, ou le fait que je fasse juste un lien, comme ça à l'arrache, même limite je fais une page HTML avec une balise HTML head body, dans mon body je mets un href, par rapport à Majestic, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc on n'est même pas obligé de faire aussi évolué et aussi évolué que ça. Donc, j'ai acheté ce domaine-là sur Expired Domain. Il avait 25 sur le route TTF Business. Donc ça, c'est intéressant. En plus, c'est raccord avec le domaine que j'avais acheté précédemment. Donc en fait, ça va se cumuler. C'est pas vraiment les mêmes TTF. Hein. Là, c'est du Business Food Related Product. Donc il va pas se cumuler avec l'autre qui était juste en business, mais il va apparaître en deuxième, troisième ou quatrième. Et voilà. Pour avoir une cohérence dans les TTF, c'est pas mal. Voilà. Sur sa page d'accueil, 40 de TF. Voilà, donc toujours le TTF business. Hein. Ça, comme je vous l'ai dit, vérifiez quand même hein, le TTF route et le TTF homepage. Donc voilà, j'ai utilisé exactement la même technique que je vous ai fait voir précédemment. Donc il a 40 sur sa page d'accueil, donc 25 sur le route, ça c'est les metrics actuellement, et on va vérifier sur la page d'accueil combien il a toujours 40, voilà. Donc là ça a pas bougé sur le TF et sur le TTF. Alors expireddomains.net, donc ça c'est un outil qui est gratuit. Qui va recenser, alors je ne sais pas si c'est totalement exhaustif, mais la plupart des domaines qui ont expiré ou qui vont expirer. Voilà. On va pouvoir filtrer. Vous allez pouvoir, ce qui est important, c'est de sauver des recherches. C'est-à-dire que ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer des recherches, et puis quand vous faites vos recherches de domaines expirés avec potentiel de TTF, là, pour de la manipulation, vous activez les recherches sauvegardées, comme ça, vous allez gagner quelques clics et quelques minutes. Alors, c'est un petit peu différent de KiffDom. Ici, on va avoir une liste. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai cliqué sur Deleted Domain, pardon. J'ai classé par TF décroissant. OK. Je copie. Et je vais sur Internet BS. Alors, pour gagner un peu de temps, je l'ai fait juste avant là. C'est-à-dire que je colle ma liste ici. Je clique sur Available Only. Et je vais avoir la liste de tous les domaines qui sont achetables immédiatement. C'est-à-dire que si je décoche ça, et ben typiquement, celui-là, là, koreandrama.ru, qui était dans ma liste, voilà, qui est ici, ben, il a déjà été acheté. Enfin, il a été acheté ou il a été renouvelé, mais en tout cas, il est plus disponible. Donc, ce qui est important, ça va être de cliquer sur « Available only ». Et ce que je vous conseille aussi, c'est ça, c'est de prendre le dernier.
Alors, est-ce qu'il est le dernier? Voilà, le dernier de la liste, c'est celui-là. Et en fait, les available only, ça va être uniquement cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est jaune, alors est-ce qu'ils nous ont mis du jaune? Tout ce qui est jaune, c'est des domaines supplémentaires, soi-disant premium ou je sais pas quoi, là, qui sont proposés. Donc il faut se focaliser sur ce qui est en bleu. Et même ce qui est en bleu, ils ont tendance à proposer des domaines alternatifs. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils, voilà, vous demandez une extension, typiquement celui-là en .de, il n'est pas disponible, donc ils vont vous proposer la même chose dans une autre extension qui est disponible. Donc, pour ne pas vous faire avoir, voilà, il faudra, ici, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je copie uniquement ces quatre-là. Voilà. Donc, je les mets dans SE Observer, hop. Je vais classer par... Voilà. Ah, c'était par RD, en fait. Je vous ai dit tout TF tout à l'heure, mais c'était par RD. En fait, en classant par RD, on va avoir la possibilité d'avoir en fait, tout ce qui est euro les uns après les autres, et voilà, de supprimer. Donc là, j'ai une liste de 4 domaines qui sont achetables et qui ont peut-être un potentiel de TF élevé sur leur page tech. Donc, hop. Toujours la même chose, je récupère les domaines, je filtre un petit peu avec les euros et tout ça. Éventuellement ici, je peux faire un premier tri. Il y en a par exemple qui veulent pas de domaine en dessous de 5 ref IP. Bah, typiquement, voilà, celui-là, je pourrais le supprimer. Celui-là, je pourrais le supprimer aussi. Voilà. Et avoir une liste ici qui est déjà plus épurée. Mais là, je vous rappelle, on n'est pas dans une approche SEO. C'est-à-dire que le nombre de ref IP, on s'en fiche totalement. On veut juste manipuler. Donc là, je vais dans mon Majestic. Voilà, je vais classer par TF décroissant. Et là, je vois que ouais, bah, j'ai celui-là, qui peut être pas mal. J'ai celui-là qui a 32 et celui-là qui a 27. Avec des TF business ici. Ça peut m'intéresser. Alors, ce que je vous invite à faire, toujours, c'est de regarder quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser juste sur ça. C'est-à-dire que... Donc là, j'ai 34 de TTF en récréation. Je vais regarder les BL qu'il a sur sa page d'accueil. Et voilà. Déjà, je vois que a priori, son plus gros BL, il est deleted. Et dans tous les cas, même s'il n'était pas deleted, il a quasiment pas de TF et il est en nofollow. Donc il va transmettre 0 TF ou très très peu. Mais je crois que c'est 0. Hein. Il faudra que j'en fasse des tests, mais je crois que ça transmet rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a aucun autre BL qui est intéressant, qui a de la puissance. Là, on est sur les RL. Donc on va passer sur le domaine. Voilà. Et sur le domaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont quasiment tous à 0. Celui-là, il est deleted. Et celui-là, il a 1. Donc typiquement, ça c'est le genre de domaine, je vous dis franchement, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne comprends pas pourquoi il a 22 TF sur le route. Avec des backlinks si peu puissants que ça, c'est pas logique. Donc soit c'est un bug, soit c'est l'histoire du refresh dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, quand on va le remonter, il y a des risques que le TF, le CF et le TTF soient mis à jour et qu'on se retrouve avec, je sais pas, peut-être 5 ou 10 au lieu de 22 du jour au lendemain parce qu'on l'a remonté et parce que Majestic a tout mis à jour. Alors, je vous ai pris cet exemple-là. Donc lui, il n'est pas disponible, mais je voulais quand même vous le prendre. Pour vous faire voir quelque chose. Donc là, j'ai coq795.top, qui est un gros domaine, hein. 7000 domaines référents, 6255 ref IP. Donc là, on se dit que c'est quand même que c'est pas mal au niveau du profil de lien. Donc, on n'a pas une approche SEO, hein. Vraiment, on a une approche manipulation de metrics. Du coup, ça peut être pas mal pour les metrics, mais... Accessoirement, ça peut quand même pousser aussi. 65 de CF. Alors ça, c'est énorme. Sur cette URL-là, c'est pas mal. Quand on regarde sur le route, c'est pas ça que je voulais faire. Page, on se met sur le route. On voit qu'il n'y a qu'une seule page.
en fait, qui reçoit des BL. Donc c'est étrange. Donc ça, typiquement, il y a de fortes chances que ce soit un domaine qui est spammé. Alors je vais retourner sur ma page d'accueil. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Donc je regarde ici, TF25, CF50, génial. Alors, je vais sur la page. Bon, sur le route, c'est génial. Je regarde sur l'URL de la page d'accueil, d'ancienne page d'accueil, 42 TF, 65 de CF, génial. 7000 domaines référents, 6255 réfipés, ça va. Mais quand je regarde les BL un petit peu plus en détail, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une sorte de pattern, que des 404. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a de fortes chances que ce soit un réseau de sites, que ce soit un hack, enfin, que ce soit quelque chose qui ait de fortes chances de disparaître rapidement parce que ça ne fait pas du tout un profil de lien qui est naturel. Voilà. C'est que des 404 pour HTML. Donc là, il a énormément de BL, il a énormément de RD, il a des métriques de folie, en fait, sur tout le CF. Mais ça peut disparaître du jour au lendemain. Voilà. Si c'est en réel un réseau de sites, si c'est un hack et que le CMS est patché ou que voilà, le truc est corrigé, bref, il y a plein de raisons. En tout cas, ça peut disparaître du jour au lendemain. Alors, si vous l'achetez 10 euros, c'est absolument pas grave. Après, si vous commencez à mettre un petit peu plus cher, faites attention parce que vous achetez quelque chose qui peut ne plus avoir cette valeur-là assez rapidement. Donc lui, mise en place d'un backlink, donc vous l'avez vu, vers la page d'accueil de Tupolev-Martony, le 38-2021, 8 jours après, on a hop là, 27 de TF sur le route, voilà, et 45 sur la page d'accueil. Donc, ce BL-là, on va reprendre. Il nous a fait passer de 25-41 à 27-45. Et 14 jours après, on passe à 28 sur le route et 47 sur la page d'accueil. Pour vous résumer, j'ai rajouté un BL provenant d'une URL qui a 42 TF et 32 CF. Donc ça, c'était avant. C'était juste avant que je fasse le BL. Donc j'avais 41 de TF sur la page d'accueil et j'avais 25 de TF sur le route. Je suis passé à 47, donc plus 6 sur la page d'accueil, et je suis passé à 28, c'est-à-dire plus 3 sur le route. Il suffit pas, en fait, je vous l'ai déjà dit hein, tout à l'heure, mais il suffit pas d'avoir que des TF par exemple supérieurs à 40 pour réussir à monter de à plus de 40. C'est un truc qui est, je sais pas comment dire, c'est pas exponentiel, mais voilà. Si vous avez une multitude de BL qui proviennent d'URL qui ont un TF de 30, vous allez monter à 35, 40, 45, etc. Alors après, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Il y a des sortes de paliers, c'est-à-dire que si on veut franchir un palier, il va falloir avoir du BL encore plus puissant, mais il y a vraiment de quoi faire avec des BL qui sont en dessous l'objectif auquel on veut arriver. Étape 4 de cette vidéo. Donc j'ai acheté ce domaine-là, camperstoratech.eu. Donc je suis Internet BS, voilà, comme d'habitude. Je l'ai trouvé sur expireddomaine.net. Pour un coût de 2,99 €, les points EU, ils sont vraiment pas chers. Donc c'est pareil, on va pas, je vais pas développer là-dessus. Hein, c'est toujours la même technique, c'est-à-dire que j'ai remonté la même monopage, j'ai traité les versions avec et sans 3W, avec et sans HTTP, HTTP, HTTPS. J'ai mis un petit texte histoire de, j'ai mis mon BL et j'ai attendu que Majestic reparte dessus. Alors, quand je l'ai acheté, le domaine,
il avait 23 TF sur le route, donc TTF business, et il avait 32 TF sur cette page d'accueil-là, donc version HTTP avec les 3W, avec le même TTF. Alors, celui-là, alors, ce qu'il faut que je vous dise aussi, je ne vous l'ai pas expliqué, j'ai fait, c'est souvent le cas, j'ai fait ce test-là, là, donc depuis août, et bien sûr, ça a été un moment où Majestic SEO a eu d'énormes problèmes. Je ne sais pas si c'est d'indexation ou de crawl, mais toujours est-il qu'ils ont un outil qui permet en fait, de forcer leur crawler à repasser. C'est-à-dire que si vous montez un domaine expiré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois ils stoppent un petit peu le crawl. Hein. C'est comme Google, hein, ils voient qu'il n'y a plus de site dessus, donc ils vont économiser leurs ressources. Donc ils stoppent un petit peu le crawl. Si vous voulez forcer le crawler à repasser, vous avez un outil. Vous pouvez soumettre des URL, vous pouvez même le faire en bulk avec un fichier, bref. Et ce truc-là, il ne marchait plus. Puis au bout d'un moment, ils l'ont carrément mis en maintenance. Il est resté des semaines en maintenance. Et ça m'a... ça m'a retardé sur certaines choses. Et ça a causé quelques effets de bord. C'est-à-dire que lui, du coup, quand il a commencé à s'indexer, il s'est indexé en même temps qu'une autre action que j'avais mise en place. Donc, je n'ai pas été capable d'isoler les conséquences de ce BL-là. Ça, je pourrais pas vous les donner. Mais toujours est-il que, voilà, c'est là que j'ai compris qu'il y avait des domaines qui étaient beaucoup moins crawlés quand ça faisait longtemps. Enfin, il y a différentes raisons que je ne connais pas qui font que Majestic, en fait, lève le pied au niveau de la fréquence de crawl sur certains domaines. Donc, si c'est le cas, et si vous avez Majestic, vous pouvez les pusher, hein, vous pouvez forcer le truc. Mais sinon, ne soyez pas étonné s'il met du temps à recrawler et à prendre en compte les nouvelles pages que vous remontez. Alors comment est-ce qu'on peut voir quand est-ce que Majestic est passé? Voilà, je suis sur Majestic, là je suis sur l'URL. Voilà, dernière URL indexée le 22 novembre 2021. Et grosso modo, en fait, si vous allez sur domaine racine et sur page, normalement, vous avez aussi les dates là, voilà, qui apparaissent. Donc celle-là, la dernière fois, elle est passée le 22 novembre 2021. Celle-là, le 10 novembre. Tout en sachant que celle-là, elle redirige vers une autre page. Du coup, c'est logique après qu'il ne repasse plus. Voilà. Mais on peut voir quand même que sur certaines pages, voilà, il n'est toujours pas passé depuis le 9 août. Alors que ce domaine-là, je l'ai remonté bien après. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un export des URL sur lesquelles il n'est pas passé et que je leur soumette pour que le bot prenne bien en compte. Normalement, ça doit être une 301. Voilà. Il y a une 301 qui est faite vers la page d'accueil, ce qui me permettrait peut-être, sur la page d'accueil, de récupérer un peu de TF et un peu de CF si ces URL-là, elles ont des BL. Mais on voit encore que voilà, il y a des URL qui sont pas crawlées depuis août. Donc ça fait quasiment 4 mois. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Pendant quelques semaines, j'ai eu une perte de métriques. Alors, c'est arrivé que sur ce domaine-là. C'est suite à ça que j'ai contacté le support Majestic pour savoir pourquoi ça faisait ça. Parce qu'en en fait, il n'y avait aucune raison. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu de BL. Il n'y a pas eu de chute de TF sur certains BL. La réponse que j'ai eue, en fait, c'est celle que je vous ai donnée plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a certains domaines qui sont rafraîchis, voilà, qui ne sont pas crawlés depuis longtemps et qui sont rafraîchis, et en fait, les métriques qui étaient un petit peu gelées, elles sont réajustées. Alors, sur ce domaine-là, ce qui est bizarre, en fait, c'est que je suis descendu à 5 et à 9, et après, je suis remonté. Voilà, je suis remonté comme si de rien n'était. Alors, quand on regarde les domaines référents, effectivement, il y a un delta, mais ça ne peut pas expliquer. Voilà, si vous regardez, ça peut pas expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Et tout en sachant que, quand on regarde bien, la chute, elle a été faite avant que je remonte le domaine. C'est-à-dire que le domaine, il avait des métriques. Il s'est passé peut-être quelques jours, quelques semaines, mais je ne pense pas, mais au moins quelques jours avant que je remonte une monopage dessus et avant que Majestic repasse dessus. Enfin, c'est même passé quelques mois hein, pour le coup. Mais quand les métriques ont chuté, c'était encore l'ancien site.
Voilà. Donc ça devait être soit encore la page parking, parce que je n'avais pas changé les DNS, mais voilà, de manière un petit peu bizarre, un petit peu étrange, il s'est passé ça. Donc en fait, ça devait être juste un bug, parce qu'au final, c'est remonté. Mais en tout cas, je l'ai constaté sur d'autres domaines, pas dans les exemples de ce cas pratique-là, mais je l'ai contacté où il y a des métriques qui sont rafraîchies et qui sont souvent rafraîchies à la baisse. Donc ça, il faut le garder en tête. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de regarder les principaux BL, voilà, si, voir si vous avez quand même des gros BL qui peuvent expliquer un TF de 40 ou de 45 sur une URL. Étape numéro 5. J'ai acheté battle.eu, j'ai mis sur Internet BS, j'ai trouvé sur expiré de domaine aussi, donc 2,99€, on voit que c'est des domaines qui coûtent vraiment pas cher. Hein. C'est pour ça que je me suis permis d'acheter, enfin en tout cas je savais que les .eu et sur expiré de domaine, je pourrais trouver des domaines intéressants pour vraiment pas cher. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai pas hésité non plus à dépenser 35€ chez KiffDom. Alors, celui-là, donc 19 sur le route au niveau du TF. Home Family, alors du coup on n'est plus dans du business, mais ça va, on est dans quelque chose qui est quand même, voilà, on n'est pas dans le genre de TTF qui est très spammé ou pas du tout recherché en article sponsorisé. Et sur la page d'accueil, 30, hein, donc toujours la même technique à chaque fois pour vérifier si j'ai une page d'accueil qui a du potentiel, enfin qui a un TF élevé, et bien sûr je fais en HT Access toutes les redirections pour que voilà, les versions HTTPS avec et sans 3W redirigent bien vers la bonne page d'accueil, toutes les pages profondes redirigent bien vers la page d'accueil en 301 pour lui donner un maximum de jus. Voilà. J'ai changé un petit peu. Là on a fait une 301, on a fait des BL classiques, voilà, sur des pages d'accueil du coup, parce que c'est des monopages, mais enfin peu importe, on a fait des BL classique. Là, j'ai mis en place une canonical externe. Alors, la canonical externe, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, j'ai... Alors ça, c'est un script que j'ai développé, qui le fait tout seul, voilà, que j'ai donné aux membres de la formation, il est accessible. Qu'est-ce qu'il fait, le script? Je lui donne l'URL de référence, voilà, l'URL canonique, on va dire, donc qui était Tubluff Martoni. Il va les scraper, il va faire un petit peu de nettoyage, et il va afficher exactement la même page, juste en modifiant la canonical. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai exactement la même page que dans Tubluff Martoni, si vous comparez les codes sources, sauf que la canonical, ici, elle va rediriger vers le site Tubluff Martoni. En fait, ça, c'est une canonical externe, et ça fonctionne à peu près, j'ai bien à peu près, comme une redirection 301. Mais en tout cas, dans le cadre de mes tests, voilà, de la R&D, c'était important de faire une canonical externe pour voir un petit peu si Majestic le prenait en compte, etc. Et surtout, ce que ça faisait. Donc, pour résumer, j'ai rajouté une canonical externe provenant d'une URL qui a 32 TF et 21 de CF. Donc je suis parti, j'avais 47 de TF sur ma page d'accueil, je suis passé à 48, voilà. Et j'avais 28 sur le route, et je suis passé à 29. Et en fait, quand on regarde, je n'ai pas parlé du CF hein, tout à l'heure, mais c'est pareil, à chaque fois, le CF, il augmente un petit peu. Après, le CF, il augmente, c'est plus difficile, voilà. Plus difficile à faire évoluer comme ça, rapidement. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que, voilà, tout le monde regarde le TF, mais en fait, c'est une métrique qui est beaucoup plus facilement manipulable que le CF, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais on voit que voilà, chaque action, donc, ça a des conséquences, ça a une augmentation, même si le TF et le CF sont plus faibles que le CF de l'URL de destination actuelle. Mais on voit aussi que, de manière générale, les hausses sont de plus en plus faibles. C'est-à-dire que là, on commence à avoir de plus en plus de domaines référents, parce qu'il faut bien se rappeler quand même que la 301, pour transfert, en fait, le TF, le CF, les domaines référents, la canonical externe aussi. Donc, plus on a de domaines référents, je vous l'ai dit au début, plus c'est difficile de manipuler les métriques. Et là, on commence à arriver sur un petit palier qui commence à être important quand même, parce que 47 de TF, on commence à être pas mal.
Voilà, donc ça continue d'augmenter, mais de moins en moins. Ou il faudrait des très gros liens. Voilà. Si j'avais fait un lien d'une page d'accueil, enfin d'une URL qui a 45 de TF, c'est sûr que j'aurais pris plus que plus 1. Voilà, on serait peut-être à 49, 50 ou 51 après. Étape numéro 6. Donc, toujours la même chose, achat de ce domaine-là chez InternetBS, trouvé sur expiré de domaine. Donc là, bon, on voit que c'est magnifique hein, aussi. Très, très travaillé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a vraiment la possibilité de faire un truc ultra épuré, même avec juste un BL. Juste pour la manipulation du TF, ça ne change pas grand-chose. Donc, je l'ai acheté 11,65 €. Celui-là, sur la page d'accueil, il avait un 39 et un 33. Il avait un 24 et un 17 sur... le domaine route, voilà, sur le domaine racine. Alors vous regarderez, hein, vous verrez, je crois que celui-là c'est le cas, on va regarder ensemble. J'ai acheté des domaines qui sont spammés. Mais là, j'ai pas une approche SEO. C'est-à-dire que j'ai une approche vraiment manipulation de métriques. Et ça, vous allez comprendre après. Alors, ouais, là on voit pas grand-chose parce que c'est des encres qui sont pas françaises, je crois que je les avais traduites, je sais plus si c'est celui-là ou un autre, mais j'ai typiquement dans les BL, là, dans tous les expirés que j'ai rachetés, il y a vraiment des domaines qui sont spammés. Donc celui-là, il m'intéressait parce que voilà, 39 de TF sur la page d'accueil, donc c'est assez élevé. Alors, on n'en trouve pas tous les jours hein, sur expiré de domaine des 39 de TF, et là je pense qu'on va en trouver encore moins avec, avec cette vidéo-là qui va sortir. Donc en fait, même si le TTF il correspond pas vraiment au TTF qu'on avait avant, c'est pas grave. Society, Government, ouais, ça fait quand même un petit peu un peu sérieux quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc idem, mon tableau récapitulatif. Alors, je le dis pour ceux qui sont très très attentifs, il y a des choses qui ont changé ici entre le dernier relevé est là. Donc il y avait l'histoire de, vous savez, du domaine là, qui a mis très longtemps à s'indexer, qui peut jouer. Et il y a autre chose aussi à prendre en compte, c'est que Majestic Pass, il rajuste, donc quand vous faites des liens des 300 des canonicals, il va rajuster l'URL de destination, son TF, son CF, son nombre de RD, le TTF et tout. Mais parfois, quelques jours, voire allez, sous maximum 7-10 jours de ce que j'ai vu, ça peut être réajusté un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une première ajustement, un premier ajustement de notes sur les différents critères qui est fait, et après, c'est stabilisé. Voilà. Donc ça, je crois qu'on était à 48 l'étape d'avant, là on est passé à 49. Bon, toujours est-il que voilà, je rajoute encore un BL sur une monopage, donc voilà, ça me prend entre l'achat, la configuration sur deux switches, le montage de la page là, tout en sachant que l'installation sur Auto Switch, je le fais avec Web Editor, ce qui facilite encore plus le process, ça me prend 20 minutes max. Donc pour allez, entre 5 et 15 euros et on va dire entre 20 et 30 minutes de travail, voilà, vous pouvez avoir ce genre de résultat là. Et c'est là où c'est assez hallucinant, c'est que voilà, le TF il est ultra facilement manipulable pour très peu de budget. Donc, je passe de 49 à 53, et là, je passe de, pardon, sur le route, de 29 à 32. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Vous remarquerez quand même que d'un domaine à l'autre, même s'ils ne sont pas totalement identiques au niveau du TF, du CF, des referring domaines, des referring IP, de plein de choses, on a des comportements qui sont très différents au niveau des conséquences, des ajustements du TF, de l'URL et du domaine cible. Voilà. C'est-à-dire que vous faites un BL d'une monopage qui a 32 TF, 32 CF et 30 referring domaines, vous regardez ce que ça fait, vous l'enlevez, vous attendez que les métriques se redescendent, vous faites la même chose avec un autre domaine qui a exactement les mêmes métriques, vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes résultats. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Donc, là, j'ai fait une majorité de liens homepage, en tout cas de liens classiques à href. J'ai fait une 301 et j'ai fait une canonical externe.
Étape numéro 7. Alors, on va faire un petit point sur le site quand même. Tout ce que j'ai mis en place, ça donne ça. Sur l'URL de la page d'accueil. URL ou domaine racine. Non, on est sur l'URL. Là, il y a marqué domaine racine, mais on est sur l'URL. Donc, j'ai 49 de TF. Donc là, on est quand même bien élevé. J'ai un TTF qui est sympa. Business food, business, home family. Pour moi, c'est propre. Typiquement, c'est pas exotique, ça. Voilà, on a quelque chose. Déjà, on a deux TTF qui sont du même univers. Voilà, après, on a le home. On n'est pas déconnant là-dessus. CF de 34, on est pas mal aussi. 40 domaines référents. Donc là, on commence à avoir un petit peu de domaines référents. Et c'est pour ça que je vous disais que maintenant, là, ça va être un petit peu plus difficile peut-être de manipuler les métriques. En revanche, quand on regarde le profil d'encre, donc le camembert d'encre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en premier Imprimerie Leroux, Leroux, Battle, Imprimerie Leroux. On n'a pas du tout un profil naturel. Là, on voit bien que les BL de la 300 et de la Canonical, ils ont pris le pas sur tous les autres BL. Ce qui est normal parce qu'il y a un transfert, c'est-à-dire qu'Imprimerie Leroux, s'il avait 40 BL, bah, c'est comme s'il transférait les 40 BL sur Tubeloff Martoni. Voilà. Donc, on a un profil d'encre qui n'est pas ultra naturel, donc il va falloir faire quelque chose pour essayer d'ajuster, en tout cas, si on veut avoir un profil d'encre un petit peu plus naturel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une commande de 50 backlinks d'Ufollow. Je le précise parce que je le précisais dans l'annonce, sur 5euros.com et ça m'a coûté 5 euros. Voilà, 5 euros hors taxe. Alors, je vous mettrai en dessous le lien vers 5 euros. Éventuellement, je retrouverai le prestataire. Je vous mettrai le prestataire. Après, vous en avez plusieurs à tester. Attention quand même, parce que là, c'est des trucs que vous ne maîtrisez pas. Du coup, pour votre SEO, là, pour le coup, ça peut être un petit peu problématique. Donc, j'avais fait un briefing tout à fait classique. Donc, l'URL linkée est la suivante. Et je lui ai demandé, si possible, de mixer. En fait, l'idée avec ces 50 BL, c'était que, voilà, il mixe un petit peu les encres, avec des encres très classiques, hein, c'est des encres URL, URL ou marque, hein, pour la dernière, pour que ces encres-là, elles viennent prendre un petit peu d'espace sur le haut du profil d'encre. C'est-à-dire que ça commence à remonter un petit peu plus ici. Les Tubeloff Martoni, ce genre de choses-là, là, que ça remonte, qu'on les voit moins, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est Imprimerie Ledoux et Battle, que ça descende beaucoup plus bas dans les... Donc, les 50 BL, c'est ça. Vous voyez rien. C'est normal. Alors, je vais en prendre quelques-uns. Comme ça, au passage, je vais vous faire voir sur Patator SEO autre chose. Bulk URL Opener. Oh, c'est du classique, ça. Mais vous avez ça sur Patator SEO. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça va ouvrir. Je vais peut-être ouvrir un peu beaucoup. Bon, on va attendre un petit peu. Ça va ouvrir, en fait, chaque URL dans un onglet. Alors, quand je vous disais, il faut quand même faire attention quand on fait ça. C'est que voilà, ça ressemble à ça en fait ce qu'il m'a fait. Donc c'est de la merde en termes de contenu. Voilà. Bonne partie des URL ne sont pas indexées. Donc tant mieux par rapport à Google. En tout cas, s'il y a un vrai site derrière, c'est une sorte de bouillie. Voilà, c'est une sorte de bouillie qui veut strictement rien dire. 14 façons avisées de dépenser le budget. De tu, Bluff Martoni. Voilà, 15 vidéos hilarantes sur Tubeloff Martoni. 10 choses que vous avez apprises à la maternelle. Qui vous aideront, Tubeloff Martoni. Voilà, donc là, en fait, je m'en fiche un peu parce que c'est un site de test. Mais faites quand même attention. N'allez pas commander des trucs comme ça sur des sites importants parce que c'est un peu de la merde. Mais il y a de fortes chances que ça ne s'indexe pas. De toute façon, parce que le contenu il est tellement pourri que voilà, que ça fait rien. Enfin, que Google il n'ingurgite pas. En fait, il n'en veut pas, surtout vu tous les problèmes d'indexation. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, j'en ai commandé 50. Alors, c'est pareil, la blague.
c'est que je lui commande les 50, s'il me les livre en un ou deux jours, c'était super rapide. Et il me dit, j'ai mis deux BL. Enfin, c'est même pas qu'il me dit, c'est que je vois qu'il a mis deux BL par article. Voilà. Il me dit, mais comme ça, au lieu de faire 50 backlinks, ça fait 100 backlinks, voilà, répartis sur 50 articles. Mais du coup, ça, voilà. Moi, j'avais peur que ça fausse tout. Donc, il a fallu qu'il me supprime tout, qu'il en refasse. Enfin, bref, c'était un peu compliqué, surtout que le mec n'a pas forcément envie de s'embêter pour 5 euros, ce qui est logique. Mais d'un autre côté, comme tout est automatisé, il ne pouvait pas forcément supprimer ce qui était déjà fait. Bon, bref, donc je l'ai un peu embêté. D'ailleurs, je le remercie s'il regarde la vidéo. Mais il a réussi à me refaire un truc propre, sans que ce soit pris en compte par Majestic, parce que sinon, si tout ça, ça avait été pris en compte par Majestic, mon test, il aurait été totalement foiré à cette étape-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur 5 euros, vous pouvez avoir beaucoup de BL. Donc ça va permettre d'augmenter énormément le nombre de referring domaines et éventuellement de continuer de manipuler le TF et le CF et de diversifier un petit peu les profils, d'ajuster le profil d'encre. En tout cas, là, le but, c'était vraiment l'ajustement du profil d'encre. L'étape numéro 8. Jusqu'à maintenant, on a fait des liens vers le site principal, le Tubluff Martonia, pour manipuler directement les métriques. Ce qu'on fait en SEO, et là on va adapter exactement la même technique, c'est qu'on va faire du lien vers du lien. Parce que typiquement là, mes 50 trucs là, pas des articles, mais les 50 trucs là, ils vont pas avoir de TF, ils vont pas avoir de CF. Voilà, ça va pas m'apporter grand chose à part le rajustement du profil d'encre. Mais grosso modo, c'est pas foufou au niveau du TF et du CF parce qu'ils vont être la plupart du temps à zéro. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté deux superbes domaines. Vous allez voir. Viagrabuy et BMY, je ne sais plus quoi, voilà, qui sont. Je crois que c'est eux qui sont spammés hein, pour le coup, vous regarderez. On ne va pas s'attarder là-dessus. Et j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai fait un BL vers tous les articles que j'avais fait créer sur 5euros.com. Alors pourquoi? Pour leur donner du TF et du CF. Puisque, tant qu'à faire, autant que au-delà de mettre à jour, d'ajuster, je peux même dire manipuler le profil d'encre, manipuler les RD, il va me permettre aussi de manipuler le TF et le CF. Voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, du coup, tous ces BL-là, ils vont prendre le TTF principal de l'URL. Donc, ils vont prendre référence et ils vont prendre récréation. Voilà. Donc, faites attention quand même, parce que si vous prenez un TTF pourri, ce TTF pourri-là, il va se répartir sur tous les BL, donc les BL qui font des BL vers votre site. Et du coup, ça peut changer par effet de bord, au final, le BL, le TTF de votre site final, de votre money site. Donc faites attention quand même. Donc moi, j'ai pris référence éducation, je me suis dit, ça va, c'est assez propre. Et puis, recreation travel, bon, on n'est pas dans le business, hein. Business, ouais, il y avait du business tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. On est loin du business, mais ça reste quand même quelque chose qui est relativement propre. Typiquement, ce que j'aimerais pas sur Martoni, voilà, c'est d'avoir un truc computer. Computer, c'est typique des sites SEO qui ont fait beaucoup d'années. Voilà. Business, oui. Alors celui-là, je l'ai pris aussi parce qu'il avait business en deux. Donc quand il a le business en deux, il va augmenter aussi le poids du TTF du site final. Bon, sport, ça ne m'intéresse pas trop, computer non plus, mais en tout cas, voilà, je regarde le premier, voire les deux premiers. Et ce qui a fait que, au final, tous mes BL, bon là j'en ai mis juste une partie parce que ça ne tenait pas sinon sur la présentation, tous mes BL, ils ont au minimum 18 de TF. Donc en fait, ils ont 18 quand les URL, grosso modo, je pense qu'elles sont orphelines ou qu'elles ne récupèrent pas le jus. Et si elles avaient un petit peu de jus, par exemple un TF, ben voilà, ça s'est additionné et voilà, ça monte à 19. Mais grosso modo, elles ont entre 18 et 20 et elles ont toutes un TTF de Recreation Travel. Alors en fait, c'est lui qui a pris le dessus sur l'autre. C'est-à-dire que le TTF référence éducation,
il n'est pas passé dessus le TTF Recreation Travel. Donc si vous voulez vraiment maîtriser votre TTF, ce que vous faites, c'est que vous faites pas, vous doublez pas les belles comme j'ai fait là. Moi, l'idée, c'était de leur filer le plus possible de TF et de CF, mais du coup, je ne maîtrise plus le TTF. Mais comme à la base, le TTF, il n'était pas complètement pourri sur, sur Martigny, c'était pas plus important que ça, donc je l'ai fait comme ça. Mais sachez que voilà, vous avez cette, cette possibilité aussi de faire que une seule monopage, ou en tout cas un seul site qui va linker toute une série de BL, de Web2, de Web Profil, etc. L'étape 9. Alors, pour diversifier aussi un peu, hein, parce que je vous l'ai dit au début, je vais essayer de faire un truc qui ressemble à un vrai site, hein, entre guillemets. J'ai fait du Web2, là, blog, hein, blog 2.0. Là, je me suis dit, je vais faire un peu de Web Profil aussi. Donc, j'ai commandé une quinzaine de Web Profils sur webprofil.fr, donc au passage j'en profite pour voilà, vous en parler, c'est un service qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc, je vous conseille, donc là j'ai dépensé 30€, j'ai eu mes 15 profils classiques, donc je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai pris le truc sans option, vous verrez, il y a des options, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus qualitatif vraiment pour du SEO. Moi ce que je voulais là, c'était juste manipuler les RD, éventuellement le TF et le CF. Étape 10. Donc j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai acheté ce domaine-là chez InternetBS, trouvé sur inspiredomaine.net. J'ai mis en place un BL vers tout le web profil. Voilà. En fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'idéal, si vous voulez vraiment maîtriser le TTF, c'est de faire ça. Voilà. Ou bien il faut deux domaines comme ça, mais qui ont le même TTF principal. Mais sinon, si vous voulez le maîtriser, c'est, le mieux, c'est de faire comme ça. Donc, ça m'a coûté 11,65€. Ce domaine-là, il avait 25 de TF sur la page d'accueil. Donc, typiquement, pour faire ce genre de manipulation-là, acheter des domaines pas chers, entre 5 et 10€, qui ont ouais, je sais pas, entre 15 et 25 sur la page d'accueil. Ça suffit largement. Enfin, faut pas mettre plus cher pour faire du BL sur du BL, en tout cas juste avec une approche manipulation de métriques. On ne parle vraiment pas de SEO. Hein. TTF principal, News Media Industry. Donc ça va, c'est pas trop dégueulasse. Et bah voilà, c'est pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils récupèrent ce TTF-là et ils ont 18 de TF. Ils ont quasiment tous 18 de TF. Les web profils, c'est un peu plus particulier. Souvent, ils sont. Quand on ne les travaille pas, parce que sur certains sites, on peut les travailler, mais ils sont orphelins, souvent. Donc, pour le coup, ils ont tous le même TF et tous le même CF, parce que je pense qu'ils sont tous orphelins. Donc, ils récupèrent tous la même part du gâteau. Voilà, on va dire. Il n'y a pas de maillage interne. Il n'y a pas de maillage interne en plus sur ces web profils-là. Qu'est-ce qu'on peut voir là, sans trop rentrer dans les détails. J'ai 25 de TF. Voilà, 25 de TF. Ça va me faire du 18 de TF sur tous mes web profils. Ce qu'on pourrait tester, en tout cas, je vous donne des pistes, hein, des idées. Ça, je pourrais peut-être le faire plus tard, si vous voulez qu'on fasse des tests encore sur Majestic. Je verrai comment ça réagit, mais ça réagit bien. Vous êtes, il y a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, que je vois que vous êtes très très intéressé par ça, pouvoir faire des tests. Mais vous pouvez peut-être faire des tests en disant, voilà, sur ma page, au lieu d'avoir 15 BL sortants, si j'en ai 100, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça transmet moins de TF ou pas? Ou est-ce que ça ne change rien? Bref, il y a plein de choses à tester. Étape 11. Alors là, on va rentrer dans un truc un peu plus avancé, dont je pense vous, beaucoup n'ont pas pensé à faire ça, même ceux qui ont l'habitude de manipuler. J'en ai parlé un petit peu au début, si vous voulez manipuler le TF, le CF, donc on peut facilement acheter sur différentes plateformes en direct des liens on page. On peut acheter des liens sites wide aussi, donc,
Lien site web, c'est un lien qui est présent sur toutes les pages. Hein, la plupart du temps, c'est sidebar ou footer. Attention, lien site web, parce que ça peut modifier le TTF. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On va en discuter un petit peu après. Mais en tout cas, lien site web, voilà, ça permet d'ajuster différemment le TF et le CF, surtout le CF d'ailleurs. Ça ne va pas augmenter le nombre de RD, ça va augmenter le nombre de backlinks par contre, puisque là, pour l'instant, je parlais beaucoup de RD, je ne parlais pas du nombre de backlinks. Mais ça peut, voilà, si on veut manipuler le TTF, si on veut changer le TTF de son site. Hop. Moi, j'ai un TTF Society Government. Si j'avais un TTF qui ne me plaisait pas, ou pas trop, c'est assez facile, en tout cas avec un domaine expiré qui a le bon TTF et des liens site-wide, de le faire remonter. C'est-à-dire que lui, il a une note de 43. Si je passe à 48, il va passer devant. C'est-à-dire que lui, il va passer en premier. Donc il suffit que je trouve un site qui a un TTF sur le route, alors après on peut faire du lien on page avec ce TTF là, mais plutôt sur le route, donc sur toutes les pages d'un site, donc lien site wide, et facilement je vais pouvoir manipuler le TTF principal, c'est-à-dire facilement celui-là je vais pouvoir le remonter en premier, idem là-dessus, c'est-à-dire que typiquement sur Rocket Links, je vais acheter 3-4 liens site wide, ou éventuellement un lien on page et 2-3 liens site wide. Dans ce TTF là, assez facilement, je vais pouvoir le repasser en deuxième, voire en premier. Après, ça va dépendre du nombre de pages sur le site, de la puissance, de plein de choses, mais gardez ça en tête. Qu'est-ce que j'ai fait là? Jusqu'à maintenant, j'ai fait 301, j'ai fait Canonical, j'ai fait DBL normaux, j'ai fait DBL sur DBL. Et j'ai pas fait de lien citoyen. En fait, j'ai fait des liens page, mais j'ai pas fait des liens citoyens. Donc, j'ai monté deux sites. Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai cloné Jérôme Web. Donc, Jérôme Web, c'est un de mes blogs. Enfin, c'est mon blog perso, à la base. Je les ai clonés. Et je les ai installés sur ces deux domaines-là. Et le but, ça va être de faire un lien site-wide, donc c'est-à-dire un lien sur toutes les pages du site. Mince, je ne voulais pas cliquer. Voilà, je vais repartir sur celle-là aussi. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Donc ici, j'ai un lien et ici, j'ai un lien. Alors, l'idée derrière tout ça, c'était de voir un petit peu comment ça réagissait déjà au niveau de mon profil d'encre. Parce que je vous rappelle que alors, profil d'encre, il a peut-être changé par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, parce que ce n'était pas en live. Mais, donc, Tubluff Martini, encre de lien vide, imprimerie le doux. Ouais, j'ai encore imprimerie le doux en quatrième. C'est un peu trop. 5, Tubluff Martini. 6, Tubluff Martini. Et celui-là en 7. Voilà. Si imprimerie le doux pouvait commencer en 7 ou en 8, je suis tranquille. C'est-à-dire que la plupart des acheteurs, ils ne vont pas regarder ou ils ne vont pas le voir. Ils ne vont pas aller voir si loin. Dans l'optique où je fasse de la vente d'articles sponso, en tout cas ceux qui peuvent analyser le site, ils n'iront pas forcément si loin. Donc, je suis parti du principe de me dire, bah voilà, je vais utiliser le lien site-wide pour voir si ça ajuste le TTF, et je vais utiliser le lien site-wide pour voir comment ça réagit pour ajuster mon profil d'encre, voilà, voir si j'arrivais à dégager un petit peu plus les imprimerie le doux, etc., vers le bas. Voilà, donc trouver sur Expired Domain, mise en place de liens site web sur des clones de Jérôme Web vers Tubluff Martini. Donc ça m'a coûté 16,88€. Alors, bien sûr, j'ai en fait tout ça, tout ce test-là, on peut le faire avec un hébergement de Switch, largement. Donc j'ai pas pris ça en compte hein, dans les 150€ de budget que je m'étais fixé initialement, mais grosso modo, si vous partez de rien, si vous n'avez aucun hébergeur, donc vous avez LWS là, qui peut vous faire un hébergement
gratuit, c'est très très limité. En tout cas, si vous avez besoin de plusieurs, enfin, d'un hébergement un peu limité pour héberger plusieurs domaines, vous pouvez prendre de switch, vous mettrez un lien en dessous, ça coûte 72 euros TTC par an, je crois que c'est TTC. Et voilà. Quels sont les objectifs de ces liens sites web? En fait, voilà, je l'ai dit avant de vous faire voir tout ça. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu les conséquences sur le TTF. En tout cas, moi, je vous dis, le lien site web, ça a une grosse influence sur le TTF pour changer. C'est assez simple. Et voir si ça avait une influence aussi sur les... le profil d'encre, tout en sachant que le profil d'encre, généralement, en fait, c'est affiché de manière décroissante au niveau des domaines référents. C'est-à-dire que les premières encres, en fait, c'est le nombre de domaines référents. Donc typiquement, assez simplement, si je veux dégager imprimerie ledoux.fr, je pourrais me recommander une ou deux prestations sur 5euros.com avec, en demandant juste cette encre-là. Voilà. Et ça, ça va passer au-dessus d'imprimerie ledoux. Je pourrais recommander une autre prestation en demandant une encre avec juste ça, et ça, ça va repasser au-dessus d'imprimerie Ledoux. Et du coup, les imprimeries Ledoux, au fur et à mesure, elles vont descendre. Voilà. Éventuellement, une prestation avec cette encre-là, et après, je serai tranquille. Donc, ça me coûterait une quinzaine d'euros, mais voilà. Donc là, voilà, je suis au niveau du route domaine. Donc voilà, j'ai un TTF Society Government. 32 TF, 22 TF. Bon, en fait, ça, c'était vraiment les snapshots du site là, Tubeluf Martini, juste avant que je mette en place ces deux sites là, qui sont des clones de Jérôme Web. Alors, ce que j'ai pas précisé, bien sûr, c'est que tout ça, c'est pas indexé. Voilà. Puisque sinon. Par rapport à Google, ça peut causer quelques soucis. Donc, ces deux domaines-là, je ne les ai pas indexés. Alors, je ne les ai pas indexés, mais il y a quand même un truc. Parce que je pense que, comme vous êtes des petits filous, vous allez aller voir. Voilà. Donc, le premier site... On voit qu'il y a encore une ancienne URL qui est indexée. Celui-là a été complètement spammé, je crois. On voit qu'il y a la page d'accueil qui est indexée, mais c'est... En fait, c'est entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai monté. Il était rattaché à un hébergement. Il n'y avait pas de page. Et du coup, c'est l'index, c'est le listing, la page classique. Voilà, il a chopé ça. Celui-là, c'est pareil. Bon, ça, c'est des anciennes pages qui sont indexées. C'est pas trop grave. On voit quand même qu'il y a la page d'accueil. Qui est indexé. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous faire voir quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour demander que le site ne soit pas indexé très rapidement sur les deux domaines? J'ai pris l'index.php. Donc, c'est des WordPress. Hein. J'ai pris l'index.php. Les WordPress, j'ai utilisé Duplicator. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai utilisé Duplicator. Vous avez All-in-One Import et Duplicator qui permettent de faire des clones et de les importer très facilement. Donc, je les ai clonés avec Duplicator. Ce que j'ai fait quand même, j'ai viré certains liens. Parce que là, j'avais des liens vers des potes ou des choses comme ça, pour pas que ça leur plombe leur profil. Voilà, j'ai quand même cliné certains liens. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun risque par rapport à Google, parce que les sites ne sont pas indexés. Ce que je me suis rendu compte quand même, et je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est que pour moi, la manière la plus rapide de dire à Google n'indexe pas le site ou désindexe-le s'il y a des pages, c'est de mettre ça dans le index.php. Donc le index.php, c'est le fichier contrôleur, grosso modo, qui est appelé tout le temps par WordPress pour chaque appel d'article, de page, etc. Donc en fait, j'envoie dans les entêtes HTTP, c'est pas dans le HTML, hein. C'est une balise XRobot tag no index. Voilà. Et ça, ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné, sauf sur la page d'accueil. C'est-à-dire que la page d'accueil, on dirait que l'index.php n'est pas appelé. En tout cas, moi, quand je teste avec mes outils dans les entêtes HTTP, je ne vois pas ça. Donc, il y a ça qui s'est indexé. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Voilà, et elle ne s'indexera pas, puisque dans tous les cas, maintenant, j'ai bloqué avec le robot.txt. Mais ce qui est important, c'est que Google n'y aille plus, quoi. Grosso modo, voilà.
Mais dans tous les cas, voilà, si on regarde, voilà, là on voit que c'est bloqué avec, avec le robot.txt. Dans tous les cas, c'est pour ça que c'est rouge. Et il y a une balise no index, no follow. Et en plus, on voit que voilà, il y a une balise no index, no follow. C'est parce que j'ai bloqué dans WordPress là, il y a quelques temps. Et on voit bien le xrobot tag ici. Voilà. En revanche, si on va sur la page d'accueil, le xrobot tag, je ne sais pas pourquoi, on ne le voit pas. Ah si, maintenant on le voit. Bah voilà, super. Donc ça, c'est l'effet live. C'est-à-dire que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que j'ai bloqué l'indexation dans WordPress. Mais bon, bref. Voilà, vous avez cette solution-là si vous voulez refaire la même chose pour bloquer en une ligne, voilà, en éditant un fichier. Le seul truc, c'est que potentiellement, ça ne marche pas avec la page d'accueil. En tout cas, moi, j'avais un bug avec la page d'accueil. Donc, ce que vous pouvez faire hein, directement, c'est éventuellement le bloquer au niveau du robot, robot.txt. Voilà, donc ça, c'était une manière très simple de faire du lien site-wide sans avoir à refaire un site complet. Et alors ça, ce genre de choses-là, si vous avez des acheteurs qui regardent un petit peu votre profil de lien, parce qu'il y en a qui regardent au moins les premiers liens, eh ben, on tombe sur un site. Généralement, ils ne vont pas voir que ce n'est pas indexé. Ils ne vont pas vérifier ça. Et ce qu'ils vont voir, en fait, c'est que ça a l'air d'être un vrai site, voilà, qui est mis à jour. En plus, on peut naviguer dessus. Voilà, ça passe. Je pense que la plupart des acheteurs, ils vont pas aller chercher plus loin. Et pour le coup, là, on est vraiment dans de la manipulation pure et dure. Attention TTF avec les liens sites-wide. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je le remets quand même dans la. Enfin, je le redis quand même parce que c'est dans les slides. Là, les deux domaines que j'ai montés, là, ils ont un TTF référence éducation. Voilà, le premier TTF, c'est ça. Donc, ça va potentiellement me faire monter là-dessus. Voilà. Donc, faites très très attention à ça surtout. Et faites attention aussi si vous prenez du lien site-wide sur un site qui a par exemple préférence éducation en 18 et qui a un TTF pourri en, juste en second, par exemple en 17. Ça peut switcher assez facilement de l'un à l'autre. Voilà. Et du coup, vous pouvez vous retrouver, vous, avec un TTF qui change. Alors, le test, il n'est pas fini. Il n'est pas finalisé. Parce que Majestic, il n'a pas fini d'ingurgiter les deux domaines. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines que c'est en ligne. Je les ai soumis. J'ai utilisé le submitter, mais ça ne fait pas grand-chose. On voit que là, il n'a pris que 63 URL et là, il en a pris que 33. Donc en fait, le test, il n'est pas finalisé parce qu'il y a des... je ne sais pas s'il y a un problème de lenteur ou un problème je sais pas, d'indexation de Majestic, mais en tout cas, il y a... Il y a une lenteur. Voilà, c'est sûr, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Et je vous avais promis de sortir la vidéo au mois de novembre, donc je la sors maintenant, même si ce n'est pas totalement fini. Et finalement, même si ce n'est pas totalement fini, ce n'est pas grave parce que vous allez pouvoir regarder un petit peu comment ça évolue par la suite, dans les semaines qui viennent, parce que de toute façon, la vidéo elle sera en ligne dans quelques jours. Donc, je pense que ça ne changera plus grand-chose à la donne. Mais voilà, avant de faire les domaines, je suis parti avec ça. Voilà. J'étais en Society, Business, Business et Business. Voilà. Et j'avais ça en encre de lien. Donc, on va voir un petit peu comment ça réagit. Alors, Paris réussit ou pas ? C'est une bonne question. Ah si, je voulais vous faire voir ça aussi. Il y avait un truc sur Woof que j'avais pas vu qui m'a, entre guillemets, généré des liens site-wide. C'est que j'avais ce genre d'URL-là. Et par défaut, mon script, il ne gérait pas en fait, les paramètres d'URL sur la page d'accueil. Donc en fait, ça c'est considéré presque comme un lien site-wide. Donc ça, si vous l'avez, donc là moi je l'ai corrigé, mais ça n'a pas été pris encore en compte, parce que ça date de plus d'un mois, hein, ces liens-là. Enfin, le crawl de ces liens-là. Mais en tout cas, éventuellement, je vous le mettrai en commentaire en dessous, si vous voulez. Voilà. Je vous remettrai le lien en bas. Et j'ai ni plus ni moins utilisé ça. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ça. Donc là, il y a une regex parce que l'exemple est avec P égale machin. Et sinon, voilà, si vous avez de ce genre de choses-là, folder,
page, login. En fait, c'est exactement ce que j'ai corrigé, moi. Je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. Vous pouvez utiliser ce code-là. Voilà, donc vous tapez, je vais vous mettre l'URL en dessous, mais j'ai en mode 300. Sinon, vous arrivez là-dessus. Alors, pari réussi ou pas, on va conclure. Ça va être vraiment la synthèse de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Et je vais vous faire voir aussi 2-3 bricoles supplémentaires très très importantes qui vont permettre de boucler la boucle. Alors, les objectifs que je m'étais fixés, 150€ hors taxe de budget max, l'objectif il est atteint. Je crois que je suis à 154 ou 156€, donc on va dire que c'est atteint. Route 32TF, homepage 45TF. Donc, route 32TF, on est bien. Homepage 53TF, on est bien aussi, on est au-dessus. Referring domaine, à peu près égal à 100. Alors là, on est à 96, alors je crois que précédemment, on était à 97. La différence, c'est juste que j'ai tourné les vidéos sur 2 jours. Voilà, et la conclusion, c'est la dernière que je tourne. Et j'ai dû perdre un BL, enfin un domaine référent. Donc, voilà, il y a une petite variation, c'est pas plus méchant que ça. En tout cas, on a 96 referring domaine, donc l'objectif il est atteint, puisque j'avais dit plus ou moins égal à 100. Avoir un TF qui est stable dans le temps. Alors, donc c'est stable dans le temps, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, puisque le site, ça fait un petit peu plus de 3 mois qu'il est lancé. Donc on voit au mois d'août, je suis à 24. Ensuite, je passe à 29, à 33. Ça redescend légèrement à 32, là. Mais grosso modo... Pour l'instant, c'est bon, en croissance au début et après, c'est stable. On va voir sur les mois qui viennent, mais je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Je pense que ça ne devrait pas bouger par rapport au domaine que j'ai sélectionné. Un profil d'encre qui paraît naturel. Alors, j'ai regardé le profil d'encre sur le route. Donc, il y a 2 choses là, qui m'embêtent à la limite. C'est ça, imprimerieledoux.fr et imprimerieledoux. En fait, je vous avais promis de sortir la vidéo au mois de novembre. Du coup, comme j'ai perdu du temps avec les histoires d'indexation là, et de crawl majestic, je pense qu'il m'aurait manqué 10 jours ou 15 jours de plus pour dégager ces encres-là vers le bas de ce listing ou carrément vers la deuxième page. Voilà. Comment j'aurais fait, en fait, meilleur rapport qualité-prix. Alors, du coup, j'aurais dépassé un petit peu le budget, mais je pense que j'aurais pris 4 Presta 5€.com, 5€.com ou Fiverr, hein, peu importe. J'en aurais pris une où j'aurais demandé de cibler cette encre-là, une avec cette encre-là, une avec cette encre-là, et éventuellement une avec cette encre-là, ce qui aurait eu pour effet de les faire remonter, et donc, par effet de bord, de faire descendre Imprimerie Ledoux et Imprimerie Ledoux. Voilà. En fait, l'erreur que j'ai faite, quand j'ai commandé la prestation de 50 BL, là, c'est que je lui ai dit, voilà, je te donne 4 encres différentes et tu fais tes variations tout seul. Et en fait, il a varié vraiment beaucoup sur ces 2 encres-là de tête et pas assez sur d'autres encres. Parce qu'en fait, juste avec la prestation de 50 BL, je pense qu'on aurait pu avoir un autre profil d'encre si ça avait été réparti un quart, un quart, un quart et un quart. Voilà. Donc, et bon, après, on n'a pas forcément la main... sur ce qu'ils font exactement, mais grosso modo, voilà. Profil d'encre, pour moi, c'est quasiment... l'objectif, il est quasiment atteint. Voilà, j'ai perdu un petit peu de temps, là, il manquerait un petit peu de temps et un petit peu de budget, et ce serait plié. Voilà, un TTF pas trop exotique. Le TTF, bon, on est en Society. Society, ça va, c'est pas mal, il y a des médias qui sont en Society. Society Government, alors ça, moi, si je vois ça en tant qu'acheteur de liens, ça va m'intriguer. Je me dis, soit c'était un petit peu manipulé, soit il a des liens gouvernementaux. En tout cas, il a des gros liens et ça peut être top. Donc le TTF, pour moi, le pari, il est réussi. Surtout que quand on regarde voilà, sur le top 4, business et home, on est vraiment sur des thématiques qui sont recherchées en vente de liens. Alors après, il n'y a pas forcément de corrélation entre les 4. Il y a une corrélation entre ces deux-là. Les 4 entre eux, non, mais c'était voilà. Après, il faut trouver un juste milieu entre je manipule vraiment le TF et quand j'ai une opportunité sur un domaine expiré qui est intéressant, j'y vais et je choisis des TTF qui sont sympas. En fait, vraiment, l'idée de fond de ce truc là, c'est que il y a beaucoup de domaines expirés qui ont des TTF, en régional, en art. Donc ça, c'est très facile d'avoir
un TF très élevé avec cet ETF-là. Mais c'est ce que je ne voulais pas, justement, pour le challenge. Donc, pour moi, voilà, le challenge, il est réussi. Deuxième partie de la conclusion. Typiquement, on va dire un novice. Admettons que je monte un domaine, je monte un WordPress dessus, un beau site. Je publie quelques articles pour que ça paraisse rempli, etc., etc. On va admettre que j'ai un domaine qui est un peu plus sympa, qui est un peu moins orienté déconne. Mais voilà, un acheteur qui regarde ça. Il dit, voilà, 53 TF sur la page d'accueil, 39 de TF sur la page d'accueil, enfin de CF, pardon. TTF sympa, 96 RD, 1120 domaine entrant. Profil d'encre. Ouais, bon, il y a l'imprimerie de Ledoux, là, qui est un petit peu, qui est un petit peu embêtante. Après, par rapport à ça, bah, typiquement, moi, si je fais un domaine sur thématisé, bah, l'impression. Donc, impression laser, impression sur t-shirt, impression 3D, ce genre de choses-là, ça passe, franchement, ça passe crème. Imprimerieledoux.fr, on peut tiquer un peu, mais on se dit, ouais, c'est la même thématique. Voilà. Au pire, il y a une 301, ok, je la vois, mais c'est la même thématique. Si on regarde juste ça, on se dit, le domaine, il est quand même... il est quand même pas mal, pourquoi pas acheter un lien dessus? Et c'est là où c'est très dangereux de regarder un indicateur ou même un outil comme ça en particulier, parce qu'en fait, le domaine, il n'est même pas indexé. Alors, il n'est pas indexé parce que j'ai voulu qu'il ne soit pas indexé, c'est pas parce qu'il y a des problèmes d'indexation avec Google et que du coup, il n'en veut pas, c'est que dès le début, j'ai forcé pour qu'il ne soit, qu'il soit pas indexé. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est vraiment que les outils, c'est pas Google. Là, voilà, on a sur le papier un domaine et une page d'accueil qui sont assez puissants. Et en réel, si on a un BL dessus, ça ne va rien envoyer parce que le domaine, il n'est pas indexé. Au-delà de ça, là, je suis dans la rubrique SEO Observer, je suis dans la rubrique Top Backlink, donc ça liste les principaux BL. Et là, j'ai filtré uniquement sur les BL qui étaient indexés. Alors là, on voit les deux expirés, là, qui sont des clones de Jérôme Web, qui sont censés ne pas être là. On va dire qu'ils n'existent pas. Voilà, parce que voilà, ils sont en cours de désindexation. C'était une petite erreur de ma part. On va dire qu'ils n'existent pas, ces deux-là. Sur les 97 referring domains, on se retrouve donc avec 14 BL qui pointent vers le site, enfin un site où les 301, etc. Mais on se retrouve avec 14 BL qui sont indexés dans Google. Donc, vous voyez la différence ? C'est-à-dire qu'on passe de 97 referring domaines à 14 BL qui sont indexés. Et en réel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il y a une petite flèche comme ça, c'est que ce ne sont pas des BL directs. C'est des redirections, généralement. C'est des redirections où ça pointe vers une redirection. Voilà. Donc, si on enlève les redirections, là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a 1, 2, 3, 4. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai 4 BL indexés qui pointent vers Google. Donc on passe de 97 referring domains à 4 BL, on va dire direct. 4 BL indexés direct. À ces 4 BL indexés direct s'ajoutent tous les BL indirects. C'est tout ce qui pointe vers Imprimerie Ledoux et éventuellement vers Battle. Et quand on regarde Imprimerie Ledoux, et vous pouvez regarder sur Battle, c'est exactement la même chose, c'est pas indexé. Donc en fait, j'ai plein de BL qui pointent vers un domaine qui est en 301, mais ce domaine-là, il n'est pas indexé. Donc ces BL-là, en fait, ils ne servent à rien. Donc voilà, vraiment le fin mot de l'histoire, ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'est qu'en réel, ce site-là, qui n'est pas indexé, on passe de 97 referring domains et plus de 1000 BL à 4 BL indexés par Google. Voilà. Et en plus, ces BL-là, ils ont un TF assez élevé. Hein. On dit que c'est quand même pas mal, mais c'est un faux TF. C'est un TF d'un nom de domaine expiré que j'ai fait pointer vers eux. Et vous regarderez, ce nom de domaine expiré-là, il n'est pas indexé non plus. Voilà. Donc, le fin mot de l'histoire, en fait, c'est que il faut vraiment coupler tous les indicateurs pour réussir à avoir une idée précise de ce que peut envoyer ou de ce qu'a comme jus un domaine. Voilà. Et c'est en ça où SEO Observer ou même SEMrush,
sont des outils qui sont très bien, c'est parce que voilà, on a les BL, on a les encres, on a le trafic, et puis on a des détails sur plein de choses. Voilà, bon, typiquement, nombre de pages indexées, voilà, il y en a zéro. Voilà. Et on a un historique aussi là sur le TTF, bref, on a plein de choses. Hein. Je ne vais pas vous faire un tuto sur SEO Observer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris que le TF, c'est un bon indicateur, mais de manière isolée, ça ne sert pas à grand-chose, parce que Majestic ne prend pas en compte l'indexation sur Google. Donc, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc, ne vous faites pas avoir avec ça quand vous achetez des expirés, quand vous achetez du lien, ou ce genre de choses-là. Bon, je suppose que vous allez avoir des questions. Je vais vous laisser digérer tout ça. Je vais vous laisser décortiquer tout ce que j'ai fait. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos remarques, vos commentaires sous cette vidéo-là. Si vous avez des questions, vous les posez. Alors, j'y répondrai directement ou je referai une vidéo. Je verrai bien. On verra comment ça s'articule. Et puis, bien sûr, hein, je vous invite, hein, pour tous les survivants qui sont encore là après plus d'1h45, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Allez, à bientôt.